Ça arrive tous les 4, 5 ans, voire même tous les 10 ans. On prend la direction donc du Cantal où, vous le voyez, les conditions ont été assez agitées cette nuit. D'ailleurs, la 75, c'était assez difficile de circuler hier. Et donc, forcément, conséquence, de nombreux automobilistes ont donc été bloqués par la neige dans le Cantal. On a eu de la neige également dans le Puy-de-Dôme ou encore du côté de la Lozère. D'ailleurs, plusieurs départements restent placés sous surveillance. Vigilance qui devrait évoluer dans les minutes qui arrivent, mais on a toujours un temps mitigé, notamment dans le sud-ouest, avec donc cette crue, notamment du côté de la Midouze. Et puis, vous le voyez, toujours ces départements du Massif central qui restent placés sous surveillance, notamment le Puy-de-Dôme ou encore le Cantal, où l'on attend aujourd'hui entre 10 et 20 cm de neige. Alors actuellement, un temps assez mitigé. On a également de la pluie dans le sud-ouest, avec localement 15 à 30 mm de pluie attendue, et puis de la neige sur le Massif central, sur les Alpes et un petit peu en plaine, notamment sur le nord-est. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, avec toujours un temps assez variable. Ciel de traîne assez actif, localement quelques orages, de bonnes rafales de vent également dans le sud-ouest ou encore autour du golfe du Lion. Et puis toujours un temps très mitigé du côté de la Corse. La nouveauté, c'est le retour de la grisaille, mais également de la pluie sur l'extrême nord. Côté température, grande douceur ce matin, c'est relativement doux. Température positive, notamment 5-6 degrés dans le sud-ouest, 1 degré à Dijon, c'est un petit peu plus froid sur le nord-est. Mais dans l'après-midi, les températures restent à peu près stationnaires, conformes au normal de saison, avec 6 degrés pour le bassin parisien ou encore en Bourgogne. Vous aurez 10 degrés pour le Pays Basque et localement jusqu'à 14 degrés à Bastia. Demain, retour à un temps plus calme, Alexandra. Oui, c'est vrai que depuis dimanche, on a eu cette tempête Bella qui a donc engendré de fortes pluies, beaucoup de vent, mais également de la neige en montagne. À partir de demain, un temps un petit peu plus calme, excepté en Méditerranée, où vous aurez toujours du vent, avant une dégradation prévue de nouveau à partir de jeudi. Et puis vendredi, on aura a priori un temps sec et ensoleillé au nord comme au sud, avec toujours le maintien d'un petit peu de froid, notamment au nord.